La saison estivale se termine sur l'île Saint-Aubin. Les vaches ont repris leurs droits et occupent à nouveau les 600 hectares du site. La maison de l'île retrouve peu à peu sa quiétude. Non loin de là, Marcel s'apprête elle aussi à quitter les lieux définitivement. Cette jeune pie a été l'attraction de la saison. C'est Émilien, le boulanger qui travaillait et vivait là cet été, qui a fait sa connaissance fin mai. Moi, je l'ai trouvé tombé de son tilleul juste de l'autre côté de la ferme, là. Donc c'était une petite boule de duvet, elle devait avoir une semaine à peu près. Et du coup on a réussi à la nourrir. On avait déjà eu un oiseau sauvage comme ça qu'on avait trouvé. Avec des croquettes à chat, imbibées dans l'eau. Et une pipette et on lui donnait la béquée quoi. Et maintenant, bon, ça fait 3 mois qu'il est là. Il a passé toute la saison avec nous. Bah, une pie ça vit 15 ans et ça reste fidèle à la première personne qui l'a nourri. Donc en fait, on l'a pour 15 ans. Hé, donne. La réputation des pivoleuses n'est visiblement pas usurpée. Marcel aime chaparder et cacher tout ce qu'elle trouve. Ses maîtres vont devoir s'y faire. Le volatile, totalement apprivoisé, va poursuivre sa vie du côté de Saint-Florent-le-Vieil, avec notamment Chica, le chien de la famille.